Oui, Shalom, le prophète Joël Crasso. Comme je disais, nous autres, nous luttons pour le droit de l'homme. Nous autres, nous n'optons pas pour la mort ou bien la destruction de l'être humain créé à l'image de Dieu. Pour nous, l'homme a droit à la vie et tout ça. C'est pour ça que nous battons d'ailleurs. Même si on est sorcier, on fait partie de l'état de la société, devenir quelqu'un d'autre. Moi, je ne vous ai pas demandé d'enlever d'abord. C'est chacun m'a enlevé pour nous. Voilà, donc voici ce jour avec lui. Il est très bien habillé. On l'a récupéré. Ouais, c'est bien habillé aujourd'hui. Nous remercions ceux qui chaque jour nous apportent du soutien. Voilà, merci Diamant. Merci aussi à Diamant. À Maman Naomi depuis l'Allemagne. Merci beaucoup pour celle qui nous apporte l'assistance. Merci pour ceux qui nous aident depuis le monde entier. Voilà. Avant de voir. Est-ce que tu congères, non? Oui, il a payé pas. Eh, ta serviette. Il a payé serviette. Non, moi, j'ai payé une serviette ici. Ah, oui, j'ai payé. Non, j'ai payé pour lui. Ici, j'ai une serviette. Oh, je n'ai pas ce savon, là. Tu as deux brosses à dents. Oui, la tante a payé une, puis il a reçu une hier aussi. Ok. Voilà, lui il est carrément venu, lui, il avait, on l'avait carrément abandonné, ses parents. Comment tu as retrouvé aussi comment? C'est quand mes parents m'ont abandonné, et puis je voulais ma délivrance. C'est pour cela que j'ai fait contrat à Doivy. J'ai mis tout m'a donné 5 ans. J'ai pris fait une soirée pour donner la délivrance. Vous voyez, les temps qu'il y a de la délivrance, il est venu dans un état, ceux qui l'ont vu hier, un état vraiment très sale, tout ça. C'est un être humain, il faut donner l'espoir de vie, c'est un enfant. Nous allons nous occuper de sa délivrance et en même temps, en tant que contact sa famille. Et puis lui donner la possibilité de répondre à l'école. Parce que c'est important, il faudrait qu'il parte à l'école, qu'il soit éduqué. En même temps, de comprendre que l'homme adore la vie. Voilà. Et si vous voyez qu'il y a des personnes que vous avez envie de rejeter, abandonner parce que vous en avez marre de leur pratique de sorcellerie, en vrai, si nous allons les délivrer et nous allons permettre à cette personne de connaître l'espoir. Je ne dis pas aussi que je fais la promotion ou aider les sorciers à évoluer dans la sorcellerie, non. Moi, je dis mon combat, c'est de mettre contre les œufs de la sorcellerie. Et j'ai toujours dévoilé, dénoncé les œufs de la sorcellerie. Mais j'ai dit qu'en tant que tel, quand quelqu'un vous dit que la personne a été initiée à la sorcellerie, il faut comprendre qu'elle est, je ne sais pas trop exagéré, victime de la sorcellerie. Donc, il faut aider les gens. Quand un jeune homme comme ça vient me voir pour dire non, je suis sorcier, je vais être délivré, mais pourquoi le rejeter? Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais rejeté les gens. Jésus a toujours pris les mauvaises personnes. Voici le colonel. Bon, je te ramène la droite. Pas de merci, hein? Merci papa. Hein, tu dis oui. Merci papa. Je t'avais enlevé, je t'avais envoyé caporal, maintenant tu es redevenu colonel. Donc c'est important de permettre aux gens d'avoir l'espoir. La vie, c'est vraiment, elle est précieuse. Elle est précieuse, il faut entourer des gens d'affection. C'est vrai que le diable, ça n'existe pas chez lui, l'amour. Nous avons acheté les habits de ceux-là, des enfants. Nous sommes en train de... Nous allons nous battre pour que ces personnes regagnent l'école. Nous allons nous occuper de leur éducation. Et tout cela, c'est important. Parce que c'est le rôle que joue l'Église. Là, non, on ne doit pas faire des procès, des gens font des procès, non. Il est mauvais, ou on juge les actions que nous posons. Nous n'avons jamais condamné maltraiter les enfants. Nous sommes contre la maltraitance des enfants. Nous sommes déjà contre la pratique d'utiliser un enfant, même aller pratiquer la sorcellerie. C'est violation au droit de l'homme. Même que quelqu'un pratique la sorcellerie, de tuer, c'est violation sur le droit de l'homme. Pour nous, l'homme a droit à la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donner l'espoir à ce jeune homme, comme lui. Donner l'espoir à Junior. Je l'ai aperçu la dernière fois et je ne l'ai pas laissé parce que son histoire m'a vraiment touché. Après la délivrance, il est resté comme ça. Et si on ne s'occupe pas de lui, ça serait grave pour lui-même, parce qu'il n'est pas en sécurité, non physique. Et je réponds aussi en sécurité spirituelle, il fallait le récupérer, c'est ce qu'ils ont en effet. Voici, tu vois combien d'habits? C'est quoi, c'est quel habit, hein? Henri, faut porter le vrai Ken, hein? Henri n'a qu'à porter le... Non, mais toi, t'as pas Dieu. Non, j'ai aidé dans le choix. Mais pas les enfants, toi-même, là, tu choisis, parce que tu as les yeux. C'est les couleurs là, mais je sens de le voir là. On est du maillot de bain. Ah, ouais, mais c'est pour les filles, c'est pour les filles. Non, comme ça, chapeau, c'est ça, il a aimé. Ok. Ok, donc, ma venue bientôt, ça serait bientôt à Paris, juste après la Pâque.
Juste, merci à M. Assoumou, merci à Noura Guégué, merci à Diamant, merci à Naomi depuis l'Allemagne, merci pour tous ceux qui sont en train de se battre, se batailler pour que je sois là-bas. Merci à Laure depuis Lyon. Merci Laure. Voilà, merci Laure. Depuis Lyon, ma fille, je t'aime bien. Merci, merci Naomi, merci tout le monde, que Dieu vous bénisse.